think he's with us again. Morning, sunshine. Good to see you again. Sleep well? Where's my son, you fat bastard? All in good time. If you don't tell me where my son is, you better kill me now! Stop talking and start listening, Hammond. You're in no position to be making demands. Because we're going to play a little game. Eyebrows, give me the phone. I ring you, you do the job. I do what I tell you, the kid dies. I do where I tell you, the kid dies. I do when I tell you, your kid dies. You getting my drift? You want to see your kid alive, you do exactly what I say. You let me down, you talk to anyone, or you're late. Your kid dies! Gosh. You're on the run! You killed your wife! You left the murder weapon behind at the scene! Fuck! You're a convicted bank robber! What do you think your chances are? I know where your kid is. I can even get to him. I know the layout and the security. All of it. Get up. You're not paying attention. Do you think the filth are going to believe you? Bonjour tout le monde, c'est Letchi Saman. Salut à tous. Allez, on se retrouve, comme vous l'avez dit, avec une dernière vidéo, la 25e. Ouais, c'est ça. Bonus. Hein. Bonus, promenade des conclusions, on va dire, hein, sur, après cette belle aventure sur The Gateway. Voilà, c'est ça. Ouais. Allez, c'est parti. Un petit coup sur Start. Donc, voilà. Donc là, tu peux dans Extra, dans Promenade. Hein. Et je peux aller promenade ou générique. Le seul mode en plus. C'est con, il y a le mode des génériques et promenade, sauf que promenade, c'est quand même un mode où tu joues. Quoi, bon. Donc voilà, promenade, t'as Londres à ta disposition avec ton véhicule. Ouais, et tu incarnes Marc à mon, t'as pas le choix. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, on va faire des petites conneries. Une conclusion en même temps. Voilà, qu'on c'est a ça. Pensé, c'est qu'on a, on a réfléchi à quelques trucs. Enfin, bon, je m'en rappelle plus, ça y est, Alzheimer. Hein. Mais on avait pensé à quelques trucs, c'est vrai. Comme par exemple, on était un peu choqué qu'il n'y ait pas de cinématique de fin, en fait. Tu vois, il semblait qu'il y en avait une, mais non, en fait. C'est clair. Je pense, en fait, dans notre imagination, on pensait qu'il y avait une vraie fin. Parce qu'on se dit, hein, son pote, là, le Black qui travaille pour Collins, il a pas donné l'argent. Bon, donc ça voilà, tout de suite, on hein. commence avec cette voiture. C'est sympa quand même. Hein. Vas-y, voilà. Donc, elle est puissante, hein. Très puissante. Hein. Mais très fragile, très fragile voir, comme, pas de... comme toutes les voitures de son, dans ce jeu. Ah putain, c'est super beau là, regarde. C'est... Ah ouais. On est passé des centaines de fois devant. Attends, on va contempler, mais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, sympa. T'as bon. Chaud, depuis 2002, j'ai jamais vu. On est passé des centaines. Je crois qu'il y a eu un patch qui a changé. Par contre, les textures, je sais qu'il faut tourner à gauche et à gauche. Et à gauche. Ça, tout le monde le sait quoi. Ouais, parce que pour voilà. Les voitures cachées. Donc si tu fais L1 ou L2, t'as les clignotants comme tu veux, je crois. Regardez, là, si je veux le doubler par exemple. Ah, c'est que dans le 2 que ça fait ça. Tu crois? On pourrait les actionner dans celui-là. Mais moi aussi. Ah, je l'ai mis là. Ça y est. Voilà, tu mets qu'il est en gauche et tu le doubles par la droite. Voilà, et là, problème, si je peux tourner à droite. Voilà, à gauche, magnifique. Bon, on va tout droit. Nous, il faut aller tout droit. Parce que c'est les voitures cachées, les voitures de luxe, ouais. Potatoes qu'on avait vu. Bah, grande fric, il y en a à plusieurs endroits, effectivement. Hop, attention là. Donc, oui, mode promenade, mais voilà, c'est un peu mode survie parce que t'as pas de map, t'as rien du tout quoi. Tu fais start, ça fait start, ça fait un menu, ça fait voilà. C'est un peu le problème. Hein. Il y a la police, il y a les gangs aussi. Donc, ça, ouais. C'est pas trop mal. Du coup, ça met un petit peu d'activité parce qu'il y a aucune quête annexe. Hein. Il y a rien à faire, activité, même pas taximan. Rien, les amis. Là t'es Marc Hammond. Limite, il claque son oseille en fait. C'est un jeu promoteur, ça. Imagination Land. C'est ça, ouais. Il a son argent, il a claqué dans cette voiture, il se promène dans Londres quoi. Il fait y'a plus de Jolson, allez hop. Donc, si on était fort, on pourrait. Peut-être qu'on va essayer d'aller d'y arriver. Il y a la maison avec les voitures sportives, ça c'est facile. Il y a le tank. Ouais, le tank, on va y arriver. Le caddie de golf, peut-être. Enfin, dans Hyde Park avec la fourgonnette là. Et la Jaguar. Normalement, c'est la Jaguar qui a remplacé chez Charlie. Hein.
Voilà. Ok, c'est donc ça. Donc les objectifs à où aller, donc là tout droit encore je crois. Et on va parler vite fait de nos ressentis sur le jeu. De toute façon, après vous l'avez, l'avoir vous l'avez, refait, oui. Vous l'avez vu, le jeu c'était pas la première fois qu'on oui, le faisait. Mais on l'a quand même un show, donc on dit pas ouais, toujours des trucs sensés. Hein. Vous comprenez bien que quand on fait quand même des. Ce genre de vidéo. Hop, oh, 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 là elle est morte. Elle est morte, ça y est. On vous l'avait dit. Vous l'arrivez jusqu'au garage, quoi. Bon, c'est pas grave, on changera ensuite et elle roule encore. Hein. Oui, bah oui. Hop, hop. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, le scénario est toujours intact, toujours. Moi, je trouve toujours grandiose quand même. J'ai toujours été pris, c'était vraiment énorme quand même. Même quand on a fait le montage des vidéos, hein, on a retravaillé les vidéos. Et ça fait vraiment bien. On a dit, putain, ça avec quand même. Voilà, là, c'est là, ici, là. Bon, c'est notre avis personnel. Hein. Nous, de notre ressenti. Il y a toujours de la nostalgie, tout ça. Mais... On considère le jeu comme une franche réussite. Ouais. Donc, sur ce point de vue-là, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a trois belles voitures. Hein, Donc vous allez voter. Hein. La Nissan Skyline. Blanche. En blanche. Hop. Ils sont blanches, Edition. Hop. Ah, il y en a 4, hein, il y en a 2 dans le garage. Ouais. Pardon, il y en a 4. La TVR. La magnifique TVR. Putain, il y a un flash scope. Il y a un éclair. Voilà. La petite TVR. On peut la casser parce qu'on l'utilisera pas. Hein. Aïe. Ok. Donc voilà, c'est sympa cet endroit. Hein. Ça doit être une des propriétés de Charlie là. Ouais. Hop. Donc il est parti, il nous a laissé ça tranquille. Voilà. Il est gentil, ouais. Ouais. Donc du coup, c'est. Voilà, qui fait un peu l'intérêt du mode promenade. Il y a des choses quand même. Le kart. De. Ça me pensait à Rémi Gaillard, c'est le même. Il y a un kart Charlie, et la Lotus Elise. Ouais. Donc. Vous allez nous dire pourquoi vous voulez voter. Voilà, bah, c'est vous avez donc, voté pour le résultat, kart. Vous avez voté pour le kart a priori. On viendra chercher la Skyline après. Hein. Alors le kart, voilà. Petit bug du kart. Hein. Il recule, ça. Quand il recule, il met sa main, voilà, il met sa main sur le siège. Sur l'accoudoir. En fait, il met sur passager, le, ouais, c'est le ça. Siège passager. Oui, c'est vrai, c'est volant à droite, c'est vrai. Allez, si je vous montre là. Il a le volant à droite dans sa tête, le mec. Voilà. Ah, yeah. Allez, viens. Yeah. Je te ramène à la maison. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Donc voilà, c'est des petites subtilités de The Gateway qui, ouais, c'est ça. Qui est assez drôle, mais il est drôle parce qu'il glisse et il est très bas. Enfin, c'est un kart, ouais. c'est pas mal. C'est pas le kart de Gran Turismo 5 non plus. Mais ah ouais, il tient le volant au-dessus. Ouais, en fait, il est sale. Le pouvoir de la force, on tourne à droite, on tourne à gauche. Ouais, je viens de penser qu'il y avait la Saab Concept aussi. Ouais, dans mais le, faudrait la pêcher. Ouais, elle est à Chinatown, dans le sous-sol, au souterrain. Ah oui, c'est vrai. Par contre, pour y arriver, bon, on va se promener. Oui, on va se promener. La vidéo oh, va. Putain ah, il est mort. On va chez la Skyline maintenant. Je crois que je peux rechercher le kart. Ouais, il sera. Si tu l'as pas pété, je crois. Non, il est pas trop pété, ça. C'est les endroits d'émission, vous vous rappelez. Oui, vous vous rappelez la mission 2, 3. L'expertise 1. Mission 3. Mission 3, oui, parce que couper les ouais. Ponts, c'était mission 2. On connaît tout par cœur avec le marque avant, on les connaît par cœur. Ouais, les dialogues et tout. Mais c'est un jeu, nous, qui nous avait quand même marqué à l'époque. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on y tenait à cœur. On tenait vraiment. Vous présenter, de vous présenter. À ce que je sache, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Je sais pas si c'est pas. Il n'y a aucune prétention. Non, pas du tout. On dit, tiens, quand même, ce jeu mérite. Ouais, c'est ça. On le sort un peu de l'ombre. Peut-être ça vous a intéressé, peut-être ça vous donne envie de l'acheter. À gauche, il y a la fourgonnette de Jardiland à gauche. Là, voilà. De violeur jour ouais, c'est ça. Et voiture cachée, ça... enfin, oui, voiture cachée. Vous voulez qu'on la prenne? Bah, allez, voilà, le kart est mort. Hein. Le kart, a priori, il y a un petit problème. En fait, on fait ça, on fait le décathlon, on prend tout au Royal Park, il y a une fourche et tout. Donc, demain, un voilà. Jeu, vous avez pu le voir peut-être dans les chargements, pas sûr. Un peu moins de 20 heures de jeu. Ouais, c'est ça, oui. Sachant que voilà, nous on a semi-demi Roxy du poney parce que. Pas on tout le temps, on maîtrisait un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, vous pouvez passer les 20 heures de jeu hein, facile. On n'a jamais dit qu'on était super fort à ce jeu. Un jeu que vous pouvez trouver à 1€ dans les magasins cash. Franchement, faut l'acheter quoi. C'est ouais, 1€ les gars, voilà. Ou un peu plus cher dans d'autres magasins. Mais en tout cas, si vous l'avez jamais fait, on vous le conseille. Nous, on vous le conseille. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut surplanter la technique, ça peut en rebuter plus franchement, d'un. Franchement, c'est vrai que avoir mis des arbres comme ça et avoir mis du JPEG, quand on se rend compte avec le recul, c'est un peu scandaleux. Ils ont fait une impression de mature, mais tout est en JPEG. Attends, quoi. Je crois que je vais voir Francis Holm, puisqu'il doit être par là. Mais là, c'est la maison du pédobert là. C'est la maison de Zéhir. Ça, c'est dans Minecraft. On est dans Minecraft. T'as pas le droit d'y aller. Attends, il va être violet. Il sort du buisson. Toc, toc, toc. Pas comme dans le GS. Le câble est là, c'est bon. Alors, vas-y, donc, bah non, il est pas là. Il est pas là, je vais remplacer. Le caddie de golf, je sais pas s'il est là, mais pas ici. Il est là, mais pas ici. Bah, son défaut, c'est que mode pro. C'est du Mafia 2. C'est vide, c'est très vide. Mafia 2. Il y a un peu plus de choses, parce qu'il y avait des magasins dans Mafia 2. Ouais, c'est vrai. En même temps, Mafia 2, normal, sortir en 2000, ouais, 2010, sortir avec ce contenu de 2002, ça aurait été chaud, quoi. Ouais. Mais là, il a fait le même style, c'est-à-dire qu'il mise tout. Ah putain, c'est trop bien ça aussi. Ah, c'est la même. C'est la même. Ok. Casse-toi, toi. Le keuf, il fait. Et il y a une map à gauche, vas-y, on peut la lire et tout. Moi, j'aimais bien ces petits endroits parce que tout est en JPEG et quand tu trouves des endroits matérialisés, tu vas les voir, quoi. Surtout que si t'as un esprit de paranoïa et de complot, de conspiration, tu vas putain, c'est quoi ici? Il y a un qu'est-ce secret. Qu'est-ce comme secret? Il y a Easter egg et tout, en fait, il y a rien du tout. Rien du tout voilà, on est ici. Hyde Park, c'est ça. Oui, oui.
Bon, on trouvera peut-être pas sûrement le caddie de golf, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, non, non, on va se promener. On trouve quelques trucs comme ça. On va essayer d'aller à Buckingham en continuant là. Écoute, écoute, écoute. Voilà, je klaxonne, rien de spécial. Voilà, très bien, tu peux les foutre à l'arrière, hein, tu les ramènes. Je les ramène. On va les enterrer avec, avec l'herbe fraîchement coupée. Oh, il s'est tiré. Ah, oh, mais c'est là, c'est bon. Pas, faute, c'est pas à droite pour le caddie. Enfin, là, je sais plus, j'essaie de faire avec le souvenir, parce que Hyde Park est très grand, hein, donc. Un peu, enfin, pas tout à fait comme Central Park, parce qu'il est beaucoup plus difforme Hyde Park, mais y a plein de choses, quoi. Même si là, il est assez couloiresque, hein. Moi, oui. Tu vas pas dans les arbres, là. Tu vas pas. Ah oui, c'est plein de sorties. Donc, sur le plan de la technique, c'est vrai que, voilà. Il est pas très beau. 9 ans après, ça accuse le coup. Ouais. Et on se dit même qu'à l'époque, c'était pas extraordinaire. Mais il avait juste le. Attention, monsieur le bus, il avait juste le mérite d'avoir fait un parti pris réaliste. Ses couleurs. Mais d'avoir tout misé sur le scénario. Le ton est réaliste. Hein, oui. Et nous, on considère que c'est que c'était vraiment réussi. Osé, c'était osé. C'était osé. Et après, peut-être, je pense que. Bon, je me rappelle plus de la com à l'époque, j'étais un peu trop jeune, mais peut-être qu'ils avaient voulu effectivement niquer GTA 3. Ouais. En tout cas, avec le recul, non, il faut pas le voir comme ça. Il faut voir que c'est un magnifique jeu d'action. Il a voulu prendre le bus sans payer. Thriller, ça, comme un film britannique, comme on l'avait dit, tu l'avais dit. Hein. C'est ça qu'il faut le voir comme ça, pas comme un GTA like. Hein. Les amis, mode promenade, c'est juste pour se promener. Promenade, tu vois. T'as non, rien mais, à faire, quoi. Non, hein. Mais surtout, pour les habitants de Londres, par exemple, ou d'Angleterre, c'était un moyen aussi de pouvoir se balader ouais, ça, librement. Aux États-Unis, ouais. À Londres, parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a montré. Dans la mission, c'était dirigiste, on n'avait pas de liberté, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Ah, vas-y, on va y aller quand même, là, on va voir ce que c'est. Attends, il y a peut-être quelque chose à faire. Hop, peut-être pas. Hop. Donc ça, on vous montre des endroits qu'on n'avait pas vu aussi. Parce que ouais, c'est ça, ouais, des magnifiques arbres. Oui, tout à fait. Attention, là. Il n'y a rien de spécial, je pense. Il n'y a rien de spécial. Donc, oui, voilà, conclusion, ça. Nous, en tout cas, voilà, on vous le conseille. On a pris énormément de plaisir, même si, voilà, techniquement, ça peut accuser le coup. Ouais, la difficulté, vous l'avez vu, bon... La conduite, le gameplay n'était pas non plus extraordinaire. Hein, non, vous avez vu la conduite, un peu moisie quand ça même. Ça part, hein, si je tourne là, hop, ouais, ça. Franchement, ouais. Faut prendre le coup, mais c'est qu'elle n'est pas extraordinaire. Mais l'avantage, comme je l'avais dit, c'est les licences. Ça faisait quand même plaisir. Hein. Ah, bah ouais, c'est clair. Quand on avait en face. En 2002, on pouvait conduire la nouvelle Laguna qui venait juste de sortir, c'est par ça, exemple. Le nouveau modèle. Quoi, c'est un petit. Voilà, c'est un petit c'est détail, un peu, mais ben, c'est un gros plus quand même ça pour fait, le jeu. Ça, quoi. Fait ça a mené une proximité parce que les GTA étaient quand même assez éloignés. T'sais. Les voitures abstraites, ça se passe aux États-Unis, tout le temps aux États-Unis. Quoi. Là, c'est à Londres, en Europe, pas très loin. Voilà. Tu pouvais dire quoi là, c'est-à-dire que le londonien de base pouvait écraser le flic en disant putain c'est mon voisin, il me fait chier tous les matins. Voilà c'est ça. Tu pouvais le tuer. Voilà. Hop, des voitures bah, toutes plus ou moins connues, enfin oui, toutes encore existantes. Hein. Voilà, donc là faut essayer de retourner à la Skyline, je sais pas. Il est ça en ville avec ça, tu sais. Mais... Livraison d'Herbe Express, poussez où. La réinsertion de Mark Hammond, en fait, il fait un boulot, il travaille pour la mairie maintenant. Ah c'est cochon. Bah là il roule sur les trottoirs. Ouais, j'ai un moral, c'est d'enlever les crottes de chien. Allez, poussez-vous! Je travaille pour la brigade canine motorisée. Ouais, c'est ça, faut qu'ils fassent gaffe les mecs parce qu'il y a assez d'herbe pour cacher quelques cadavres. Hein. Donc voilà, les on voit de la ville, la limite de la ville. Limite de la ville, on l'avait pas montré, c'est vrai. La ville est bouclée en fait, on est en quarantaine en fait. Et les gens, un peu comme Truman Show en fait, les gens, c'est une pièce montée en fait. Voilà, c'est un peu comme si 28e jour. Ouais, c'est ça, tout est fermé. Où il y a un virus dans Londres, en Angleterre. Tout à fait. Bon film aussi. Donc voilà, petite conclusion sympa. Bon, là j'aimerais bien faire le con parce que pour l'instant on fait de la merde. Ça, faudra montrer le fusil à pompe, mais bon, faudra, je sais pas si on pourra l'avoir en tuant des gens. Voilà, moi ça fait, c'est, ça m'a fait plaisir quand même de le refaire. Ça nous a fait plaisir de vous le présenter. Hein. On espère que ça vous a plu. Bon, après, et si ça vous a pas plu, c'est pas grave, on va pas vous forcer non plus, hein, mais bon. Après, on le répète, hein, si vous êtes chaud, si vous êtes. Voilà, si vous êtes. Intéressé pour faire une comparaison aussi, qu'on puisse comparer, parce qu'on comparera, franchement il est sorti quoi, 3 ans après je crois, le 2, hein, ça devait être 2005. Ouais, nous ça nous pose pas de problème, nous on le fera. Ouais. Même si alors soit on le fera pour l'été prochain, soit on le fera pendant l'année, on verra, selon le calendrier des vidéos, parce que voilà, ouais. on fait les vidéos aussi de l'actualité, même si on en prévoit sous l'avance, hein, toujours. Ah, Yosso. Donc là, je pense qu'il y a moyen de trouver le char. Non, ce n'est pas encore à Buckingham, hein. Vous voyez des pistes cyclables là. Bon, en fait, là, je suis dans les limites de Londres. En fait, je dois être au sud-ouest. Sud-ouest à fond là. Hop, hop, et rigole pas, toi. Ah, putain, on est revenu là. On est cool, c'est bon. Bah, attends, il y a la skyline derrière alors. Ouais, enfin, tout droit, tout droit. Non, non, c'est le bas là. Derrière toi. Ah ouais. Oui, derrière toi. Hop, on va peut-être réussir à trouver. Mais les gars, il n'y a pas de map. Hein. Oh mon dieu, des JPEG. Non. Des arbres en JPEG. GoldenEye, ouais, 1964. Ou GT5, ou le circuit de la SAR, on avait trouvé la même chose, en fait c'était assez drôle. Alors, voilà.
Ah là là. Donc oui, après on va préparer là, c'était pour le mois de juin, on a essayé de caler pour le mois de juin, vous avez pu voir toutes les vidéos. Ouais, et pour juillet-août, on vous a préparé notre série de vidéos, vous allez voir, normalement vous ne pourrez qu'apprécier. Oui, sauf à moins d'être de mauvais goût. Sans aucune prétention bien sûr, mais bon, c'est un jeu quand même assez consensuel, on va dire. Hein. En tout cas, nous c'est l'un des premiers jeux, ou si c'est le premier jeu auquel on est nous l'a fait comme des ports. Ouais, c'est ça, vraiment, le premier jeu, hein, parce que voilà, bon. Les premiers jeux, bien sûr, c'était la Mega Drive. Hein. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, toi aussi, je pense, même si t'avais joué un peu à autre chose avant. Hop, donc voilà, elle est jolie. Bah, ouais, c'est, je crois qu'il n'y avait plus à l'autre, c'est bon. Et après, on a eu la Nintendo 64, on avait pas mal joué aussi, c'est vrai. Et après, voilà, quand on a eu ce jeu-là, voilà. On ne dit pas encore ce que c'est, mais quand on a eu ce jeu, bah, là, nous, on n'est pas des pros de rétro gaming ou on n'a aucune prétention de quoi que ce soit. Faire des leçons, quoi que ce soit. Non, nous, non. On est juste des passionnés de jeux vidéo. On partage une passion, on partage des connaissances, des anecdotes, c'est pour ça qu'on ne parlera pas, par exemple. On fera pas de rétro-zorus sur le jeu auquel on n'a pas joué quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors voilà ce jeu. À l'époque, voilà. Nous, normalement, voilà, tous les jeux rétro qu'on va vous faire, tous les jeux, à part pour The Cheat Amen, c'est tous des jeux qu'on a en cartouche hein, ou en boîte. On va pas faire des vidéos en émulateur. Donc, ouais. C'est The Cheat Amen, il est sorti aux États-Unis, donc voilà. C'est impossible. Et même quand on était à New York, j'ai demandé 150 dollars. Il valait plus de 100 dollars. Je veux bien qu'il porte notre nom, qu'on porte son nom, ça dépend comment vous le voyez. Mais là, mettre 150$ dans cette bouse, voilà. Ça fait un peu chier, ouais. C'est clair. Attention. Hop là, je vois, tu peux aller. Mais j'aimerais bien aller au Buckingham Palace maintenant. Ah, mais c'est pas là alors. Hein. Ouais, mais c'est à droite, hein. Ouais, c'est à droite. Bah, j'y vais. Ouais, et après, on le parc. Hein. Et après, on fera le con. Sinon, c'est ce qu'on fait un peu déjà, de toute façon. Aïe. Ouais, le mode promenade, on est libre. C'est un peu comme Minecraft, il faut s'inventer des choses parce qu'il y a rien du tout, hein. Vous l'avez dit, c'est vide, hein. Pas d'activité, c'est un peu le problème. C'est un peu, là, on peut dire, un peu la feignantise, quoi. Parce que. Ah. Attention, parce que dans le 2, hein, sans spoiler, dans le 2, il y aura quand même plus d'activités dans le mode promenade, quoi. Ouais, c'est il y avait des courses et tout, et ça, j'ai vraiment apprécié dans le 2. Il y avait déjà une plus grande durée de vie, plus grande. Oui, c'est vrai. Plus, bon, après, c'était hardcore, il y avait des courses en moto. En moto, tu tombais, t'étais mort. C'est clair. Mais il y avait des courses, quoi. Et il y avait aussi des missions de taxi, je me rappelle, avec la vue interne, ouais. Le compteur et tout. C'est vrai. J'ai fait un effort, ouais. Même si ça n'avait pas convaincu la critique. Il y avait une map aussi, hein. On commence à faire une comparaison, mais il y avait une map hein, dans le 2. En même temps, c'était un peu indispensable. 3 ans après, ressortir la même chose avec les mêmes problèmes, on n'aurait pas accepté. Surtout que là, bon, The Gateway, il se postait comme ça, mais super hardcore, le gameplay un peu moisi, vraiment aléatoire, la caméra, pas la tourner et tout. Ça faisait un peu vieillot quand même. Hein. Clair. Attention, un peu comme Charlie Johnson, tu vois, un peu rétro, j'aimais bien avant, c'était mieux avant quand même. Vous nous direz dans les commentaires aussi quel a été votre personnage préféré. Le gentil, dans l'histoire. Le méchant, tout ce que vous voulez. Hein. Ou les répliques cultes, je sais pas si vous, quand est-ce que vous avez eu peur. Donc, si ça vous a saoulé. Moi j'ai arrêté à la mission 2, bon voilà, tant pis. Hein. Après tout, nous on a envie de faire ça pour pas que l'été soit vide aussi, parce que voilà, peut-être tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances, il y en a qui travaillent, il y en a qui restent chez eux, ou je ne sais pas, voilà. Donc ça peut les accompagner, on va dire, voilà. Ah, c'est qu'en plus, au mois de juin, c'est des révisions, c'est le bac et tout ça, ouais, c'est, ça, c'est vrai. Donc ne regardez pas ça, non, allez travailler. C'est clair. Attends, peut-être que, ouais, sûrement quand ça sera cette vidéo, ça sera trop tard, malheureusement. Je pense que ouais, l'échec sera total. Vous attendrez vos résultats, quoique, il reste des euros début juillet, hein. Alors toi, voilà, tu révises. Donc, il est où ce putain de parc, vous êtes là, non? J'ai un Buckingham. Je sais même plus où on est là. Ah si, les grandes allées, c'est bon là. Aïe. Faut qu'on conduise un bus, hein. Ah, on l'a pas trop fait, hein. Ah ouais, bah attends, prends-le là. Je le prends, lui. Et qui pop là. Alors il y a des bus, on vous l'a dit, il y a les doubles bus là, les bus un peu classiques européens et les bus à l'anglaise, londonien quoi. C'est à double étage, comme ça. Attention à pas se faire écraser. Vas-y, va derrière. Objectif aussi, faudra faire un tonneau. Sur un rond-point. Allez, pousse-toi, toi. Voilà, donc là ils ont fait une vue intelligente, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Alors là, je peux faire demi-tour comme ça. Vas-y, en un temps. Non, je crois que par derrière en reculant. Parce que quand tu recules, t'as pas de derrière en fait. Voilà, t'as pas de limite dans le derrière en fait. En fait c'est comme MGS, c'est comme ce Snake qui fait demi-tour en fait, ouais, dans les canalisations. C'est ça. Alors qu'en fait, il fait genre 1m80, de large, il fait 50 cm. Hop, il se tourne. Les jambes rétractiles, attention. Hein. Je me quitte autant, ouais, hein, tu veux. C'est ça. Oh, regardez, c'est un coup qui met. Oh, oh, fuck! Un peu comme les Squirrels à Central Park. Très hyper. T'as regardé comme il se balance. Attends, ouais. À droite, Central Park. Central Park, non, Buckingham Palace. Donc à gauche, là, c'est là. Là? Ça va être dans cette avenue. On va faire toutes les avenues pour voir. Hein. Ouais, ça va être dans une avenue comme ça. Il y aura le. Ah non. Non, c'est la droite, je pense. Coute. Attends. Là, faudrait qu'on. Pourquoi il penche comme ça? Faudrait qu'on ait une voiture. Ah, PG, change de voiture. La souplesse qu'il a, regarde. Ouh. J'ai un pneu sur le trottoir. Change de voiture.
Okay. Non, il y a des arrêts de bus à chaque fois. Aïe. Change de voiture, on ne sait pas où. Ah si, gauche, droite, je sais même plus. Mets-toi en travers. Je fais demi-tour. Pardon. Pardon, famille, tout ça. Voilà. Mais où est-il? Je pense qu'il est à gauche. Faut aller voir Buckingham Palace en fait. Change de voiture. De véhicule plutôt. Parce que c'est assez horrible ça. Eh, hey, tu m'appelles pas Charlie là. Hop, la Rover. On peut pas descendre à gauche. Hein. Attention! Oh là 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 là, chauffard! Allez. Sortez de là! Sortez de là! Mais elle est jolie elle aussi sans chrome, elle est uniforme. Oui, elle a un cachet. Ouais. Hop là. C'est parti. Vas-y, gros con. On pouvait burner, dans, on voulait beaucoup burner dans le 2, pas dans celui-là, je crois. Oui, on pouvait faire cabrer les voitures, vous te rappelez la main plus accélérateur. Et la Laguna, hop là, les roues à s'envoler. Ouais, cabré, ouais. Donc alors, Buckingham, c'est en face, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, à droite. Donc, non, c'est ça, Buckingham. Ouais, oui, c'est ça. C'est tout moche, mais c'est ça, à droite. C'est ça, hein, les gars. Ouais, c'est ouais. Ça. Il manque des gardes hein, devant, hein. Mais bon, on serait fait un plaisir de les tuer. Donc, ouais, c'est pour ça, je pense que d'un point de vue éthique, un peu éthique, ça aurait été diplomatique. Ça aurait été mal vu, je pense. Derrière toi, je crois. Ouais, derrière toi. Oh là, non. Non, c'est pas de ce côté-là. Hein. C'est du côté du parc, donc si. Ah, pardon, monsieur. Là ouais. Ah, c'est là, mais c'est là. C'est pas celui-là, c'est l'autre, je crois. On peut pas rentrer. Attends. Connard. Vous avez le panneau? C'est interdit. Ok, on roule à droite. Et alors? Même ça. Il y a une image derrière là-haut, là. C'est un détail. Ah, mais c'est un détail, mais genre le fait de. Ah, c'est ouvert, c'est là, derrière. Là. Ouais. T'as vu qu'il a raté la truc de. C'était à 100 mètres derrière. Par exemple, le fait voilà, de rouler à gauche, c'est un détail, et forcément, c'est normal, c'est à Londres. C'est sympa aussi, c'est un peu innovant quoi. On essaie de défendre le jeu. Et voilà le tank. Un tank, bon, c'est sûrement un tank fin première guerre mondiale, hein, vu la gueule qu'il a. Non, c'est un vrai. C'est un tout récent, les gars. C'est ceux qui sont en Irak. Allez, les Abrahams là. Attention, allez, les Abrahams, c'est l'américain. Allez, petit, jette tes boules de feu. Faut comment on tire. Tire pas. Parce que je crois en fait que c'est un cheat code pour le faire tirer. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait là? Il passe la tondeuse? C'est pas avec le stick. Oh ah, putain, voilà, c'est avec le stick, les potes. Vous avez vu? Oh yeah. Attends, je vois si je peux monter le canon. Il fait des big bang attaques en fait. Attends, non. Je m'arrête. Boule de feu. Je vois si je peux monter le canon. Non, tu peux pas. Vous entendez, c'est qu'on le son. Écoutez. Le son est celui d'une voiture qui pète, d'un bidon qui pète. Ah, c'est énorme quand même, là, ils ont craqué les mecs, ouais, ils ont fait aller rigolons. C'est très mal fait par contre, regardez, une boule de feu qu'on jette, hein. Ça c'est comme GTA like, hein. Ouais. Là ils ont voulu copier sur GTA. Ouais, c'est là que la concurrence, peut-être le sentiment de vouloir les contrer se fait sentir, hein. Même si c'est pas franchement réussi, on vous aura montré le temps, c'est bien, je suis content. Ouais, je suis content. Casse-toi ouais. Là. Alors faudrait essayer d'aller à la maison de Charlie pour voir, mais c'est un peu plus difficile ça. Bon derrière, vas-y, on va essayer d'y aller, donc c'est derrière. Bah là c'est le pont. C'est Big Ben, donc c'est derrière la maison de Charlie. C'est derrière? Ouais, à droite peut-être même. C'est dans les quartiers riches à côté des trucs là. Bon, on reste dans le même quartier, mais bon. Là, c'est Westminster non quoi? Oui, c'était à côté de Big Ben donc c'est ça, oui. Donc je vais aller là? Vous voulez, ouais, vas-y, ouais. Et c'est pas très loin la maison de Charlie, c'est en haut à droite au fond là-bas. Donc ouais, on reste dans ce quartier, mais on l'avait pas trop monté aussi. Puis c'est quand même le plus joli, on va dire le. Les gens crient. Le. Bizarrement, ils me font pas chier. Ils font rien la police, ça. Bah, ils disent ça y est, l'armée intervient dans Londres, tout va bien. C'est l'armée, les gars. Attends, la police se soumet à l'armée, attention. Donc c'était quand même. Ils avaient quand même pensé un petit peu au mot de promenade, genre ils avaient mis. Voilà, ouais, qu'on pouvait. Ils ont fait 2-3 ah, des gangs là. On aurait pu les faire chier. C'est clair. Voilà. Ils ont trucs. Ouais, 2-3 hein, véhicules. Faut amuser la galerie, mais c'est vrai que c'est insuffisant quoi. C'est vrai que voilà, si on y pense. Une fois qu'on a fini le jeu, tu pourrais faire. Le contenu est faible, hein, c'est vrai. Mais voilà, comme on dit, ce jeu c'est juste du scénario et c'est vraiment pas. Un GTA Live, c'est un jeu d'action scénarisé à la troisième personne. T'es où t'es donc? Vas-y, continue tout droit. Et après, ce sera sur la droite, c'est pas loin de parc, donc faut aller à droite. Hein. Il commence à fumer ton tank, c'est n'importe quoi. C'est clair. T'as un gros tank, bon, en même temps, voilà. Déjà, il n'y a pas de chenilles, c'est des roues. Ça peut exister, hein. Mais en même temps, c'est avec des chenilles, ça casserait toutes les routes de Londres, tu sais, ça casserait tout le bordel, quoi. Ça, c'est vraiment une tondeuse, hein. Ouais, si on se fait un petit peu écouter, hein. En fait, c'est vraiment le véhicule d'entretien de la ville. Voilà. Il passe le balai là, et il nettoie. Bon, je sais pas du tout c'est. Vas-y, va à droite un peu. C'est pas sûr qu'on. Ah, c'est mort, ça y est. Oh putain. Putain, c'est quoi ça? Ouais, shit. Bar. Ok. Chaud. T'arrêtes, le mec qui tire des obus de flammes. Obus explosifs. Ouais, faut changer. Voilà, le tank a perdu contre le fourgon. C'est chaud. En même temps, c'est le fourgon. Et se tient, vas-y, change hein. Oui, je vais changer. Ouais. Ok.
Là, je pense plus qu'il... On va pas mettre le canon derrière hein, pour avancer vite, attention. Comme dans GTA, t'es. Ouais, c'est clair. Alors, hop. La voiture des Chinois. La voiture immonde, celle-là, je j'aimais jamais cette voiture. Ah, c'est une MR. Ok, c'est une à l'arrière là. Derrière. C'est pas mal ici, hein. Ouais. Ah, mais merci, tu m'as la tournée. Voilà. Après, ce qu'on pouvait dire, les dégâts, c'était pas trop mal parce que ça se déformait quoi. Et les pneus éclatés, ça se fait en 2002, c'est la première fois quand même. Hein. Les pneus éclatés. Ouais. Sur les jantes enroulées. Hop. Et puis voilà, bien sûr, bon, on veut continuer. On l'a dit, on peut péter français aussi. Toutes les vitres. Toutes les vitres, ouais, c'est vrai. Tu l'as pas, on l'a jamais montré. On voulait le montrer dans la mission 1, on l'a jamais montré. Hein. Pète toutes les vitres. À l'arrière, c'est la vitre arrière de l'espace. Bon, là, on est arrivé à une limite. Donc à droite, Parce qu'on est un peu loin encore. Donc à droite, là. On va essayer d'aller là. Oui, et puis tout en français, donc c'était sympa ça, hein, d'entendre se faire insulter en français. Pas besoin de lire les sous-titres, même si c'est pas toujours gênant et que la VO est tout le temps excellente hein, dans un jeu Rockstar ou comme ça. Ça faisait quand même plaisir de ne bah, de pas avoir cet effort à faire, par exemple. Hein, oui, t'entends tout directement en français. Je trouve que la VF est plutôt bonne, hein, mais c'est qu'on l'a souvent entendu, c'est pour ça aussi. Mais pour l'histoire, les acteurs, c'est. Voilà. C'est pas synchronisé par contre aux lèvres. Hein, mais, c'est la synchronisation labiale a été faite pour la version anglaise. Hein, ouais. Parce que les acteurs, c'est, on vous l'a dit, il y a des vrais acteurs, donc... C'est vrai. C'est pas là, hein. Bon, mais on continue, bon, tant pis, on continue. Porte de Brandebourg, le mec a rien compris, c'est... Voilà, on y est, les gars. On fait quoi, on fait le con ou... Bon, vas-y, on fait n'importe quoi, vas-y. Tue cette voiture méchante. Est-ce qu'on peut péter les optiques? Je crois pas, par contre, si. Ah, vous avez vu? Tu le tues, puis il descend. Et après, voilà. Vas-y, essaie de péter les optiques des phares, là. Donc on peut péter ça, là je crois pas vraiment. Non, c'est du JPEG hein. Et ça crève le pneu, vous avez vu. Et ouais. Un peu comme dans GTA 4, le bug, je veux dire deux coups dans la jante, la voiture brûle. Alors, même le petit vitre arrière hein. Les impacts de balles et tout. Et non, même pas la vitre arrière. Bon, ok. Les contours des vitres. Oh là là, voiture, le bug. Ah oui, c'est magnifique. Il y a pas mal de bugs, vas-y, essaye d'y aller. Attention, des méchants. Enfin, des méchants gentils. Essaye d'aller sur la voiture pour voir ce que ça fait. Underworld ou pas? Essayez de la prendre aussi la voiture peut-être. Vous avez vu, on peut se faire arrêter aussi avec Marc Hamon là. Ouais. C'était assez embêtant, mais il va pas nous choper depuis la voiture par contre, ça c'est bien. Il pousse pas les voitures non plus. Mais il tire, il tire. Hein. Il tire. Hein. Hop, hop. GG, hein, on y va. Et voilà, et donc, elle était garée en fait, le ciment est encore frais donc bon. C'est possible. Comment ça au Spark hein. Et c'est quoi, c'est les vieux là, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle l'épisode. Buffet rustique. Ouais, buffet rustique, les vieux comme ça, magnifique. Alors voilà, bon voilà. Moi bah, j'aurais pas trouvé la maison de Charlie. Ouais, mais elle est plus loin, là on va y arriver là bientôt. Mais c'est pas évident de se repérer quand même, faut tout apprendre par cœur, faut apprendre Londres par cœur, vous oui, imaginez un peu. C'est assez frustrant quand même. Quand vous finissez ce jeu et le mode promenade, en fait vous êtes guide touristique, hein. Vous pouvez aller à Londres faire rien, les et gars. Même dans Black Monday, même si t'avais la carte, tu n'avais pas de GPS. De mini radar aussi. Voilà, ouais. C'est ça, de mini radar. Et pas de curseur à marquer, rien du tout. Hein, donc c'est vrai que c'était assez frustrant. Ouais, parce que si t'avais envie de. Voilà, t'étais de bonne volonté, t'avais envie de faire le con. Ouais, mais tu vois un endroit précis, c'est ça, un endroit précis, bah tu pouvais pas trop y aller quoi. C'était vraiment le problème quand même. Ils ont poussé ce réalisme jusqu'au bout, en fait, t'es perdu dans Londres, quoi. C'est un peu la merde parfois. Sinon, enfin, je crois qu'il y a une vieille Jaguar, mais elle est pas là, quoi. Ouais, mais maison de Charlie, je sais pas trop où aller du coup là. C'est pas trop. Elle est pas très loin, un petit peu, mais faudrait voir. Bon, tant pis, sinon. Hein. C'est pas trop grave. Alors, voilà la place hein, de GT5, genre la place connue. Hein. Ouais. De Londres. C'est quoi le nom? C'est. Je suis une vraie là, je déteste l'Angleterre donc. C'est pas. C'est. Non. Moi j'aime que les États-Unis donc tout ce qui touche à l'Angleterre, je leur chie dessus. Attention! Non mais elle est jolie, c'est ça qu'on a vu dans le trailer du 3 là. Hein. Ouais, qui était en fait. McDo et tout, c'était magnifique, on faisait putain génial. Oui, t'as pas, il y avait des photos où t'étais sous les colonnes là, sur les. Ouais, ici là. Ça finissait comme ça. Ils avaient modélisé des. Ça finissait comme ça, il y avait un coup de pistolet. Ça finissait comme peut-être ça. Peut-être qu'on va vous le mettre à la fin de la vidéo, le trailer, pour les nostalgiques. Ouais, c'est ça. Les mecs qui ont cru, qui croient comme nous, hein. À ce jeu, peut-être que j'espère donc qu'il y a métro, le métro, on peut pas le prendre, hein, c'est fermé. Dommage, c'est dommage ça. Donc là, il y a. C'est Dead Big Ben, faut que l'on entend. Non, pas du tout. Là, c'est quoi alors? C'est un monument quoi. C'est des Anglais. Ok. On est encore au bout, hein, ouais. C'est des Anglais. Alors, c'est une sorte de mini obélisque. En rénovation, on fera pas guide touristique à Londres. Hein. Voilà, c'est. C'est Jésus et ses potes. Voilà, on voit la dernière bière. Alors. Casse-toi, toi!
Oh, voilà, on va. Alors, oui, on n'a pas, on vous a pas montré. Enfin, on l'a vu au cours d'émission, la Millennium Wheel, c'est ça là. Ouais. La roue qui. Ouais, j'ai fidèle à la Tamise. La Tamise, hein. Je suis de voir la Tamise effectivement et aller directement, on la voit. On voit toutes les colonnes là, voilà, les bâtiments. C'est joli, ça. C'est quand même joli. C'est l'institution, ça, donc c'est joli. Ah, les grandes places là, 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 oh, voilà. Putain. Un obélisque. Alors, je sais pas ce que c'est. Une colonne plutôt. C'est pas ça, non. Enfin, le garde-pas, c'est pas ici. Peut-être. Faudrait voir, elles sont sur les. Les ouais, sont sur vous les abonnés qui êtes allés à Londres, il y en a quelques-uns là, ouais. Six Nine Nine, il y en a d'autres aussi. Hein, c'est donc, quoi ça? Dites-nous, c'est quoi cette place avec les lions là? Chaud, alors, j'ai la flemme d'aller sur Google et comme je connais pas Londres. Mais on connaît pas tout, on n'y est pas allé, c'est pour ça. Non, tu me dis, c'est quoi entre la 33ème et la 6ème à New York? Je te dis, tiens, c'est un petit peu l'Empire State Building. Ouais, c'est ça, on connaît un peu tout. Allez! Et que à la 14ème, c'est Union Square. Prenez ça, mes connards! Allez! En fait, il pourrait faire un flingue chacun, tu sais. Je sais pas. Elle prend 306. 306, c'est Daniel. Non, 405, c'est 406. Et c'est parti, magnifique. On vous conseille de voir Taxi. Attention. Et les 4. Et les 4. Le 4, non? Le 4, je l'ai pas vu. Parce que le 4, c'est François Damien, je crois. Parce que le 4, dans l'affiche, il atterrit dans le Vélodrome. Alors, j'ai pas vu. J'ai eu peur. Je crois que les méchants, c'est les Belges. Ah ouais? C'est François Damien. Putain! Mais voilà, on est arrivé à voilà. Et voilà, on est content, on vous a montré la roue. Il y a un magnifique truc en bronze qui brille derrière, un paquet caché géant peut-être. C'est chaud quoi. Ah, c'était Trafalgar Square alors. Peut-être. Ah, le ah, pont le pont vient d'être construit. Eh oui, ça y est. Ça va vite à Londres, regardez. Ah, ça bosse. Hein. Hop, hop, Big Ben. Big Ben, donc c'est ici Big Ben, hein, Westminster Abbey. Donc, c'est. On va pas tourner en rond non plus. Hein. The Gateway, quand même, c'est un bon jeu. Hein. Tu peux visiter Londres. De toute façon, c'est joli, même s'il y a souvent des quartiers collés aux côtés des autres. Mais je veux dire, voilà, tu reconnais les endroits, c'est sympa quoi. Bon, c'est pas aussi éloigné de la réalité que The Saboteur. De toute façon, The Saboteur, au nord de Paris, il y a les montagnes, c'est la Normandie. Ouais, c'est clair que. Bon, en même temps, c'est le Electronic Arts. Ouais, en même temps, The Saboteur, voilà. C'est autre chose quoi. The fuck. Ouais. Même s'il était pas si mauvais que ça, mais il y avait de l'idée. Mais bon, c'est toujours comme ça avec Yay. Il y a de l'idée, mais il n'y a pas le résultat. Il y a des buts. Ouais, il y a le début. Ouais. Même si bon, ils n'ont pas développé. Hein. Je vois déjà l'arme dire ouais, c'est pas le développeur. Je sais. Hop là. Bon. Je pense qu'on peut aller se quitter. Tu en as un. Aïe. Ah oui, attends. Oh putain. Les ballons de Collins. Collins. Hein, où ça? Là, avec leur il y a la Collins. Leur Lexus cabriolet. Allez, je prends la Micra. Putain, non! Oh là là! Parce que les bus ne s'arrêtent pas. Allez, les gars, Vétaillère! Allez, Vétaillère, on fait un tonneau! Sortez de cette caisse! Sinon, on va chez les Chinois? Ouais, si t'arrives à y aller, on y va en se promenant comme ça. Mais il suffit d'aller à l'assaut. C'est vraiment la vidéo, y a pas de but quoi. Regardez les rétroviseurs, ils flottent un peu. Ah, si, y a le Ten Downing Street aussi. Quelque part, la maison du Prime Minister là. Oh là, c'est quoi ça? Si. Wouh, c'est bon. Putain, non, ouais, oh. Vous avez vu, on a plus de gomme de pneu quoi. Passage secret. Ouais. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est sûrement une institution ici, c'est un bâtiment. Mais il manque des gardes hein. Je suis curé. Et merde. Bon, vas-y. Ah ouais. Dans le 2, ces endroits ont été refaits, je crois. Ah non, parce que dans le 2, je sais qu'il y a plus d'endroits ouverts. Attention, on ouvre le coffre là. Oui, tu es bloqué. Il n'y a pas le bug de la balançoire, hein. L'espace ne va pas s'envoler. Eh, casse-toi, toi. Casse-toi. Oh là là. Attrape-le. C'est un chinois spy, il t'a collé un micro. Il est suspect. Il s'est caché dans le coffre. Là. Vas-y. On a visé un peu pourri, voilà. Attends, vous l'avez compris. Ce qu'il y a de bien, c'est le scénario, la mise en scène, l'ambiance. Ce qu'il y a de pas bien, c'est un peu le gameplay, le contenu, quoi. Voilà. Pour faire simple sur ce jeu, hein. C'est bien. Regardez ça. Il a un bâton, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens. Voilà, prends le bâton. Tu peux le prendre, hein? Ouais, je sais, hein. Allez, mais sortez bon, je vous préfère. Mais encore là, la bande à Collins! Allez! Où ça? Mais tu vois pas les Lexus Cabriolet là? Allez, ouais, t'as la tournée, c'est bien, vite! Allez, par là, allez, par là! Allez, Collins! Tu veux jouer au show, Collins? Je veux vos coordonnées! Toujours, il insistera pour nos coordonnées. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière vidéo, il voudra nos coordonnées. Et les voix étaient différentes aussi, c'est drôle, hein. Je lui dis, envoie MP, quoi. Ouais. On verra. Mais c'était drôle parce que, voilà, pour une fois qu'on joue à ce jeu, tu sais, et tu passes et tu te fais insulter. Hé, connard, pas vu le panneau et tout, ouais, tu sais. Qu'est-ce qu'il m'a dit ça, quoi? Waouh, c'est magnifique ici. Donc là, les feux, on vous l'a dit, hein, là. Vert. Regardons les feux. Personne les respecte, apparemment. Hein. Le mec, il reste là avec sa micra, c'est. je passe au rouge, moi. Ah ben voilà, c'est L1 et R1. Oui, what the fuck? C'est passé orange et ça a clignoté, c'est parti. Ok, c'est plus dans ton champ de vision en fait. Tu crois? Ah, ils sont désactivés. Ah, ça y est. Qu'est-ce que... Ah, un demi-feu orange, les amis. Bon, vas-y, on s'en va, c'est bon.
On est pressé, nous. Bah vas-y, voilà, c'est bon, passe, passe. C'est bon, t'excites pas, mec. Bon, on regarde les feux là. Putain, mais c'est où la maison de. On la retrouvera pas, parce que maintenant, on commence à être perdu et tout. Bon, longe un peu le parc. Hein, Ouais, je suis perdu là. C'est ça le problème avec à droite. Désolé, c'est que allez, à droite. C'est que t'es perdu, quoi. Non, c'est vrai, t'es perdu. Désolé, le policier. Allez, Big Ben. Ah, la Collins. La Collins. Descendez. T'as vu, vous avez vu. Vous le touchez. Le mec, il mitraille tout de suite. C'est ça qui est énorme. Hein. Les connards, voilà, elle en prend une belle voiture. Voilà, ça t'affondera en prenant ta caisse pour la peine. Et voilà. Une très belle voiture, hein. Ouais. Et on l'avait dit dans le guide qu'on avait pécho, on utilisait à l'époque. Ouais, il y avait les voitures, c'est avec leurs stats. Sûr. Et non. Ah, t'as plié les poteaux quand même. Ah, la police, là, il y a le char. Je repique dans le centre et on se quitte à Chinatown. Oh putain. On va pas réussir à Chinatown aussi. C'est vers où là? C'est par là. Pas très loin, on va au sol vita. Les dégâts, voilà, en mode promenade, vous mettez des défis. Je vais à cet endroit et si t'y arrives, t'es fort. C'est clair. On a voulu montrer l'endroit du saut aussi, là, tu sais, la terrasse sur le côté. Ouais, mais c'est impossible. On vous a déjà montré le saut unique, donc c'est bon. Hop là, c'est le bout de Londres. Ok, bon, on sera tout le temps resté ici, mais c'est pas trop grave. C'est un endroit plutôt joli. Il y a des bâtiments politiques et tout ça, même si on les reconnaît pas tous, et des places connues. Voilà. Les autres, sinon, c'est que des rues. Hein. Ça fait trois fois qu'on roule ici. Ouais, parce que je m'appelle du muret et du bâtiment comme ça. Ouais. On aime bien faire le tour. Sinon on est limité en fait, tu vois, la ville est trop grande donc on a peur, on reste ici. Et oui, parce que dans The Great Way 2, c'est ici là où il y a les voitures et tout du mec là, il y a une S et tout là. Mais oui, chez les riches. Ouais, ouais. Parce que c'est la mafia russe, hein. Dans le 2, on spoil vite fait. Bon, on vous tease. On tease, on tease. Allez là, la Panda ST là, allez. Attention là, allez. Wow, on dirait une Punto quoi. Ah, ça change de la Lexus là, tout de suite. On dirait une électrique hybride tellement qu'elle fait pas de bruit. Ouais, donc là on va arriver chez Charlie à droite je crois. Enfin, non mais à droite ce sera les voitures cachées non. Ah non, fake, pas du tout. Bon, va derrière, hein. C'est bon, on s'en va d'ici maintenant. Ça suffit. Hop là, tiens. Non mais il faut piquer au centre. Ouais. Pour aller. Piquons alors, piquons. Eh hey, mais où ils vont? Quoi ils? Mais on va chez les Chinois. On va chez les Chinois, on va. Faut leur dire au revoir. Commande au restaurant. On va voir, on va saluer Monsieur Chai. Partir rejoindre ses ancêtres. Hein. C'est vous! Jetez-vous sous les roues des voitures, voilà. On reconnaît aussi des cabines téléphoniques rouges, hein, en même temps qu'on passe à côté, voilà. Non, mais il y avait tout quand même d'emblématique, on va dire. Hop, voilà, là, ici, c'est peut-être pas loin, là. Oui, il faut. On se dit que c'est vers là, mais c'est pas du tout là, donc c'est pas grave, on va bientôt s'arrêter, hein. Oh, ça fait plus de 30 minutes, hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu rien ce qu'on fait, là. Mais bon, c'était voilà pour faire une petite conclusion, en parler, comme ça, et vous montrer le mode promenade, parce que c'est quand même le deuxième mode phare, hein, du jeu. Oh, putain, on est pas loin. Ah, oh, ouais, c'est à droite, là. Ah, oh, ouais. Et non, pourtant ça y ressemblait hein. Tu cherches chez qui toi? Charlie. Ah non mais Charlie c'est mort mon ami, on trouvera jamais hein. On la trouvera jamais, alors que c'est voilà. C'est pas si loin que ça mais bon. C'est suffisamment loin pour qu'on sache pas où c'est à cause des rues. C'est pas grave, on continue. C'est assez grand Londres. Mais non, c'est genre voilà. J'ai plus le nombre de kilomètres qu'il y avait reconstitué mais c'était quand même beaucoup, une grande surface. Ouais. Rien d'ouvert mais c'est pas grave. Connard. Chaud là, t'es dit chaud, ouais. Je descends du bus. Ah, c'est chaud, dire que le chauffeur descend. Ah, il veut nous carjacker. Donc, il a toujours le talkie-walkie de la police parce qu'il entend tout le temps les communications, ce qu'ils disent. Hein. Mieux que Frank Carter, finalement, qui ne sait même pas que McCormack est mort. Hein. C'est clair. Alors que lui, il savait, vraiment, il l'a tué. Allez, allez. Oh putain. Les voitures brûlent vite. Hein. Ne tirez pas. Oh merde, ne tirez pas. Alors là, je tire pas. J'ai pas tiré, c'est bon. C'est bon, je vais briser la nuque. C'est bon. Allez, fini en roulade. Et en roulade. Non mais là je pense qu'on est dans le cœur de Londres là. Ouais, pas sûr hein. Ah, un assaut là. Le mec de Collins. Le mec il joue au choix avec lui. Ouais, c'est Collins. Allez, viens là. Il y en a qu'un. Non, il y en a un deuxième, il veut monter avec moi. Tu l'as tué? Non, il est là, regarde, il veut monter avec moi. Oh, vas-y, voir si tu peux le carjacker. Sortez de là. Oh non, c'est trop. Oh, il s'est soumé. Putain, la merde. Ah quand même pas, c'est bon soumis. Ok, ok, ça. Il vole notre pot et il se fait carjacker, il dit rien. Sympa. Bon, on va manger au République. Allez, on y va. Des grillades. Attention, là c'est tout pourri ici. Hein. En plus, tu reviens derrière. Mais voilà, là c'était une colonne aussi, là, une séquence de trailer aussi, là je crois. Ouais, ouais. Ces bâtiments comme ça, ces centres commerciaux. Oh, bien, on revient ici, on voilà. Ici. On revient ici en tournant. En fait, c'est magnifique. C'est petit Londres, les gars. On a fait cet endroit quoi. Non mais faut dire qu'au cours d'émission on vous a assez montré les ponts et tout ça. Là on voulait vraiment examiner cet endroit de riche et ça, de bourgeois. Attention là.
je regarde les murs et je reste perplexe face à cette. C'est clair. Ce flou en fait. Je suis dans le flou là, tu vois. Hop. Aïe. Hop. Oula. Ouais, ça pop. Hein. Ça pop. Ça va être par là dans ces petites rues là. Non, on trouvera pas, c'est pas ici. Hein. Quoi, Chinatown ? Non, ouais. C'est pas du tout ici. Non, on est au moins à 2 km de Chinatown. Tu crois ? Ah ouais, là c'était vachement. Là c'est un des cassos, tu vois. Ah, mais on a saut déjà, c'est ouais. Bien. Ouais. Il est où le République ? Peut-être par là. Ah, il doit être l'autre rue. À gauche, là, l'autre rue à gauche. Excellent, Excellent, ils sont largués, tu sais. Il a dit, c'est dans ce parc, il a dit ? Non, non, il dit excellent, ils sont largués. C'est lui ? Allez. Putain, on a réussi à y aller, les gars. Ouais. Il est ouvert. Je pense qu'on va se quitter au République. On va se quitter là-dessus, les gars. Le République, là où tout a commencé un peu. Hein. On n'a pas retrouvé la maison de Marc Amand. Hein. C'est fermé. C'est fermé en plus. Ah, essaie d'entrer pour voir. Ah, mais c'est fermé. Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'as la clé du République ? Voir s'il est brûlé un peu ou pas du tout. Ils sont en route. Oh, il est pas du tout brûlé, hein. Là. Tape. Tiens. Là, tiens. Halt. Viens là. Viens là. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il s'en fout. Faut essayer d'attraper un mec pour voir ce que ça fait avec ça. De le taper. Lui, là. Ma drogue. Anti-émeute, c'est Marc Amand. C'est clair. On va tout faire. Ouh. Fais t'affaucher pour voir. Et le gros, ton sac. Non, ça va, le vrai. Ok. Ça lui dénuque la gueule avec la matraque. Mais d'un coup, lui. Mais ils ont peur. Soumets-toi à mon autorité. Respecte mon autorité. Halte. Putain. Il aime bien tout. Vas-y, il y a un combat à gauche, le flic là. Ouais. Trop tard maintenant. Vas-y, fight. Combat à l'infirme. Halte. Ouais, j'ai gagné. Coup, il meurt. Fort. Putain, il est mauvais, hein. Donc voilà, c'était la vidéo bonus hein, sur le mode promenade de The Gateway. Comment utiliser une matraque. Vous avez vu que c'était quand même assez limité. Hein, c'est vide, hein, il faut imaginer. À moins d'avoir mis des marqueurs un peu partout, tu sais, pour... De connaître pour dire, les véhicules cachés, parce que sinon, il y a vraiment plus d'intérêt quand même. Hein. On sera pas arrêté, fumier. Voilà. Voilà, la matraque, elle casse tout, quoi. C'est plus fort que toi. Donc voilà, on vous remercie hein, d'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir regardé... Mais ce Wolf Fu, j'espère que vous avez pris du plaisir peut-être autant ou plus hein, que nous. Ça dépend, oui. On va voir vos réactions, on attend. En tout cas, ça nous tient à cœur. Ouais, on espère que ça vous a plu. Voilà, on a essayé de rendre ça intéressant, même si bon, c'est pas toujours des super blagues, attention. Hein, ces blagues de Gérard et de Gino, c'est magnifique. Ah, allez, il vient de se faire humilier. C'est humilié en vidéo, le pauvre. Humilié en vidéo, quoi. Ah, lui, fallait pas revenir ici. Ah, Schnell. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu quand même le fil à pompe pour vous montrer. On vous l'aura jamais montré, c'est ça, ouais, dommage. Mais vous avez qu'à acheter le jeu pour savoir ce que c'est. Ah, il t'arrête. Putain, non, il t'arrête pas, lui. Donc, eux, c'est les bobies normalement, hein, c'est ça. Hein, avec leur casque et leur matraque. Viens là. Combat d'infirme. Allez, voilà, limite du gameplay, on ne peut pas viser, on ne peut pas bouger la caméra aussi. Putain, le mec, il enchaîne. Il fait en train de faire un combo breaker là. Genre un oui et puis c'est bon quoi. Ouais, c'est clair. Ah, oh, le chien, vite. On voit le chien. On voit les chiens plus vite. Oui, ils courent tous vers la tête. Allez, chien. On dirait Flock un peu, c'est clair. On pousse les moutons. Allez, plus vite. Allez, toi, t'es morte, t'as reculé. Cette robe n'est pas homologuée. Voilà, quick. Jupe. Hop, décédé. Bon, voilà. Oh putain, c'est pas toi. Je vais le réanimer. Oh, il y a qui sont fait faucher, j'ai entendu. Ils sont tous sur la route, ils tombent tous comme des merdes, gars. Oh non, non, c'est ce qu'il y a. C'est énorme. On les a poussés, en fait, on les fait fuir, et voilà ce que ça fait, quoi. Ah, on continue, voir. C'est trop bien. Regardez ce qu'il y a. Il y a quoi? Ils sont 10 peut-être là. Regardez. Émeute, grève générale. Ouais, allez, venez. Tire en l'air pour voir si les faire fuir encore. Allez, putain. Pour la voiture, écrase-les tous. Allez, plus vite. C'est bon. Regardez, vous avez vu? C'est énorme. L'IA du jeu, génial, il court partout. Enfin, on l'a pas dit, ouais, mais vous l'avez remarqué, l'IA est un peu limitée, quoi. Mais... Peut-être par rapport à la population qu'on rencontre, hein, parce qu'il y en a qui font les tours sur eux-mêmes et tout. Bah, la tête, non? Ouais, il sort pas. Ça y est, il réagit. Bon, elle tire, enfin ouais, elle avance en se faisant tirer dessus, c'est pas grave, tout va bien. Oh, la réplique de merde. Nous avons des raisons de croire que vous êtes armé. Elle se fait tirer dessus. Et lui, elle ne bouge pas. Non, elle est contente. Il, non. Il a vu sa barbe. Madame, il s'est paradé. Plus de munitions et chiottes. T'as de la chance, t'as tourné une balle à la tête de plus. T'étais là, c'est bon. T'es mort, le deuxième flingue, il est là. Bon, allez, on arrête tout parce que ça fait 40 minutes de merde. Vas-y, faut continuer les conneries, quoi. De toute façon, on pourrait pas s'arrêter, mais au bout d'un moment, quand même, même s'il y a rien, donc ça devient un peu chiant. Donc voilà, c'était les H7 sur The Gateway, ouais, 25 vidéos, vous avez de quoi regarder tout l'été
si vous avez pas regardé parce que vous avez eu des examens. Tout à fait, vous allez tout d'un coup. Hein, on a pensé à vous pour l'été. Nous, on sera tranquille en vacances. Donc, on regarde un peu, on regardera un petit peu la chaîne de temps en temps, mais c'est tout. Oui, tout à fait. On n'aura pas internet pour vous uploader quoi que ce soit ou jouer à Minecraft, par exemple. Voilà, voilà, c'est ça. Allez, au revoir alors. Merci, au revoir. Au revoir. Back to you.